Après une saison 2023 exceptionnelle malgré des résultats décevants en termes de couples formés, M6 a dévoilé les nouveaux agriculteurs de l'amour et dans le pré 2024 au début de l'année. Parmi eux, nous avons découvert Renaud, qui a surpris tout le monde avec un critère inattendu que ses prétendantes devaient absolument respecter. Bien qu'il n'ait pas encore rencontré ses prétendantes dans le premier épisode des Speed Dating, diffusé ce lundi 19 août 2024, contrairement à Valentin, qui a mis un temps fou à faire un choix, obligeant Karine Le Marchand à adapter les règles de l'émission, nous découvrons bien ses rendez-vous dans l'épisode 2. Rapidement, son choix se porte sur Anne et Mélanie, une décision rapide qui surprend Karine Le Marchand. Cependant, l'arrivée de Muriel bouleverse tout. L'agriculteur est complètement troublé et tombe immédiatement sous le charme de sa prétendante. Un coup de cœur réciproque, waouh, c'est à moi que ça vient d'arriver. C'est vraiment émouvant ce que je viens de vivre. Ça n'a duré que quelques minutes, mais c'était intense. Je pense et j'aimerais que ce soit l'homme de ma vie. Je suis tombée sous le charme. Je suis complètement perturbée là. Vous n'avez pas un tranquillisant, réagit Renaud, avant de demander à la production, je veux quelque chose d'inhabituel. Est-ce que vous allez le faire pour la première fois? Moi, j'en veux trois. Anne, Mélanie et Muriel. Je ne céderai pas. Malheureusement, son souhait n'est pas exaucé et l'agriculteur doit faire un choix. Il se résigne et sélectionne finalement deux prétendantes. Qui sont les heureux élus? Affaire à suivre.